j'ai mis distance atténuation pour mais d'accord, mais c'est juste que moi, dans mon mon système de pensée, c'est toujours comme ça, tu vois. Genre, il n'y a pas de mode dans son trajectoire, il n'y a pas ça, quoi. C'est la distance, c'est le volume. Ok. Systématiquement. C'est pour ça qu'à chaque fois, je disais, quand tu t'éloignes, tu sais, tu maîtrises les sources, donc tu les places pour éviter qu'elles se superposent, et puis tu les éloignes quand elles sont chiantes, tu vois. C'est pour ça que mon équipe ne peut pas du tout, quoi. Et là, même, je suis allé plus loin, j'ai viré les niveaux. Les niveaux que j'injecte dans mes synthés et tout ça. C'est-à-dire que les effets, ils sont à don tout le temps. C'est à toi de les chanter si tu les veux pas, quoi. Tu gères pas tes envois et tes... Bah, je joue, en fait, tu vois. Je fais des notes. Si jamais je gérais les envois, en fait, on séquence les trucs, mais je peux pas. En fait, je peux juste activer des effets à certains moments, tu vois, les effets qui ponctuent. Mais par contre, le délai, il est toujours là. Alors, je peux régler le niveau, je peux le mettre moins fort, tu vois. Ça, je le fais. Je peux régler l'intensité, quoi. Mais ouais, donc tu gères pas le niveau de tes envois d'effets, quoi. En fait, c'était ça l'idée, c'était que moi je gère le niveau de tes envois d'effets. Bah, parce que, mais après, en fait, c'était ça la question, c'est est-ce que tu les envoies tout le temps dans tes morceaux, à chaque fois que tu joues, ou tu vas juste les envoyer La reverb et le délai, ouais. Ça fait vraiment partie du truc smooth, quoi, tu vois, c'est tout le temps là. T'as le délai et puis la reverb. Tu fais jamais les trucs où t'es dry? Bah, avec les instruments acoustiques, non. Tu joues dans une pièce avec un violon, tu vois, tu vas pas couper d'un coup le son de la salle, tu joues avec. Bon, tu vois? D'accord. Bon, c'est par exemple, tu vois, quand t'as un truc tout mélo, tout calme au piano. Oh merde, du coup, il va disparaître partout. Là, j'aime bien entendre mon délai, quoi, par exemple. En fait, c'est même pas que j'aime bien, c'est que j'en ai besoin pour jouer. Ça se sent tout de suite, quoi, tu vois. Okay. On est peut-être un peu fort à faire. Mais alors, c'est à moi de la baisser un peu, quoi. Non, c'est moi. Comme ça? C'est bien, ouais, ça? Ouais, c'est bien. Ok. Je vais juste ajuster un peu mon délai. Préparer la bignou. Bon, pourquoi ça bouge tout seul ce truc? Ah ben normal. Bon allez, on va jouer. Tu vois? Là tu m'envoies du délai granulaire. Oui voilà, ouais c'est ça. Tu m'envoies très faible, le niveau il est t'as un moins 24 qui traîne encore quelque part. Ce que tu rentres chez moi, c'est à moins 50 dB. Putain. Donc là, t'es à combien? Là, tu m'envoies du moins 24. Encore un peu faible. Délai granulaire, c'est l'ID numéro combien? 31. C'est la technologie moderne. Avant, quand il n'y avait que des câbles comme ça, et ben il y avait moins de problèmes. Ou alors il y avait d'autres problèmes, genre du buzz, mais pas des interruptions numériques. Les interruptions numériques, c'est très problématique. Il faut jouer avec le buffer, tout ça. Bon.
truc est multicam, tu fais comment? Toi t'as même un Ableton Link, tu peux linker un Ableton. Ah ouais. Quantize, stop. Start, stop, quantize. Link, Ableton Link. Ah, tu sais, je suis pas très quantisation. Non, je sais que t'étais pas très quantisation du tout là. Moi j'aime bien ça sur un logiciel, je sais plus, c'était Samplitude, un truc comme ça. Ah, Samplitude, ouais. Pas mal. Il Samplitude, avait ça, moi j'ai bien kiffé. Ouais, justement, parce qu'il avait ça là. Ouais. Ça. Il avait plein d'autres trucs et vraiment bien Samplitude. Oui, bon, allez, petit pause. Il n'existe plus en fait. Samplitude ? Ouais. Je crois encore, hein, c'est Colia. Ah oui, c'est ça, ouais. Théorique.